Bien, salut à tous, salut à toutes. Vous êtes bien avec Cartman aujourd'hui pour une vidéo sur Devil May Cry partie 3, comme promis, chose due, chose promise. Donc, gros big up à tous mes followers sur YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, etc., etc. C'est parti pour l'enfer de Dante. Devil May Cry, la jeunesse de Dante. Vidéo, let's go. On te retrouve là-bas. À tout à l'heure, Virgile. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous êtes proches? C'est important. C'est juste que j'aime savoir avec qui je risque ma vie. Lui, c'est mon frère et il veut sauver le monde. Et toi, dans tout ça? Écoute, je t'ai jamais demandé de l'aide, mais tu m'as tiré d'affaire et je te remercie. On se fait confiance. Tu peux m'en parler si tu veux. Il m'a sauvée. J'étais en famille d'accueil. Mon père adoptif était un démon. Il m'agressait presque toutes les nuits. Fallait que je parte. Les cauchemars. Rassure-toi. Je sentais rien. Je pouvais pas m'échapper physiquement, alors j'ai trouvé un autre moyen. Je me réfugiais dans les limbes sous forme d'esprit. Et j'ai trouvé Virgile. Il a entendu mon appel à l'aide. Il m'a aidé à affronter les démons, au propre comme au figuré. J'ai réussi. J'ai tué cet enfoiré. Je veux m'occuper des autres. Tu restes avec nous jusqu'au bout? Compte sur moi. Et maintenant... Beau travail. T'es occupé de la succube. Ça a dû attirer l'attention de Mundus. On n'a plus qu'à porter le second coup et désactiver son réseau de surveillance. La tour Raptor News. Tout est contrôlé par Mundus. Il a le monopole sur tous les médias du monde. Infos, publicité, divertissement. Manipulation. Oui. Et surveillance. Ils espionnent la population grâce à leur réseau de satellites, les routeurs et la télésurveillance. Ouais, j'avais remarqué. C'est quoi le plan? Kat? Raptor News Network est géré par un démon. Il s'appelle Bob Barbas. Barbas est un démon. Alors, c'est pas juste une grosse enflure. Et il est dans cette tour. Pas cette tour. Celle-là. Hein? Dans les limbes, ce n'est pas un reflet. C'est la réalité. C'est une prison que Barbas gouverne cruellement. Pas de pitié, pas d'évasion possible. Prépare le portail. Tu seras seul cette fois. Kat ne peut pas y aller. Je me débrouillerai. Elle en a assez fait. Au moins, il n'y aura pas de caméra. Bien. Donc, on sait pas grand-chose sur ce démon. Je parie qu'il sera charmant. D'où vient ta vision du monde tordu? Bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Si, non? Bah, pourtant...
Oui, mais bon, on va continuer alors. Ah oui, il me faut Eric, ça. Quel idiot. C'est mieux comme ça. Pas de bol. Bon, c'est pas grave. Pas pour mon... pour mon score. Pas bon.
C'est toi que je veux. Waouh, il me reste un chouïa, hein. Un chouïa de vie, est-ce que je vais en récupérer? Est-ce qu'il me reste une étoile, petite touche? Voilà. Alors, même dans les limbes, il y a une tôle. J'aurais jamais pensé vouloir aller en prison. Service du Seigneur, hein, bravo. Fais chier. Je vais devoir faire un détour. Bob, bob, au service du Seigneur. Deux fois que ça me fait ça, alors je m'aime. Ah non! Oh là là! Bon. Voilà. Ok, voilà la tour. C'est le bon chemin. Quoi que ce soit, ça ferait mieux de dégager. Lol. Vous avez commis des crimes. Alors, 3, ok. Contre le
pauvres âmes. Vas-y, va te perdre. La souris... Oh, d'accord. Ah, génial. Voilà, maman. Le méchant, chien, chien, il est pas cool. Vas-y, va te perdre. Cette fois-ci, sans pitié. En plus, derrière, il y a des cocons de vie. Bon, toi d'abord. Génial. Voilà, maman. Couché.
Les prisonniers sont ici pour souffrir. Oh là là, je croyais qu'il y en a un. Le suicide n'est pas possible. Les tentatives de suicide ne vous causeront que. On descend. Toute pensée illégale sera punie de mort. Mais, percutant. Bon, faut que je prenne des bonnes améliorations cette fois-ci. Hein. Double mise. Transvoir, maintenir LT et Y. Et ça donne. Montre, tac. Ouais, c'est pas mal. Enchaînement. Bon, enchaînement. On n'est pas dans la reine des neiges. Alors, attention de niveau 2. Il y en avait un que j'avais. Oh les flingues, ouais, mais il y en avait un que j'avais pas assez monté. C'était lequel déjà? Oui, voilà, un saut. Article qui la récupose. Qu'est-ce qu'on a encore? Hypercute niveau 2. Bastage niveau 2, c'est correct. Prends ça. D'accord. Pour les flingues, tant pis. Les objets, on garde notre petite thune. On garde notre petite thune. Une âme torturée. Oh là là! Oh là 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 là! Encore pire que là là! Bon, lui c'est bon. D'accord.
On va faire comme ça. Et voilà. Visiblement, c'est pas par là. Donc, par où est-ce? Visiblement, on va voir en bas. Oh là! Un défi. J'ai la clé. Non. Merde, ça peut être où? Pourtant qu'il y a un chemin, je viens de là, donc c'est forcément par là, mais... Voilà. Voilà. À vos maîtres. Ça va être ta fête, Bob. Ah, Bob a peur de moi, quoi. Eh bien, on peut pas dire qu'il n'en veut pas, lui, hein. Peu cher. Qu'est-ce qui se passe ici? En merde, anarchie. Là, tu te manques pas le Jedi, quoi. Bon. Merde! Oh, pourquoi il en reste si loin, cette crétine? Non, 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 non. On va d'abord autrement, parce que sinon... Ben voilà. Ah, il est aveugle. Répondez, ou je vous décapite. Posez votre canne. Je vais pas vous faire de mal, sauf si vous m'y forcez. Vous êtes un prisonnier de Mundus? Non, je viens d'en haut. Vous pouvez me dire comment atteindre la tour? La tour? Pourquoi? Parce que je veux tuer le démon qui fait la loi. Vous pouvez m'aider? Elle est tuée. Oui, je peux vous aider.
Si vous m'aidez d'abord. Je vous écoute. Bah voilà. Pas terrible. Mais bon. On va prendre cette amélioration quand même. Ces saletés volantes m'ont dérobé mon œil. Elles me tourmentent sans cesse. Je ne peux partir sans mon œil. Je suis piégé pour l'éternité. Rapportez-moi mon œil. Je vous conduirai à la tour. Son œil. Mon œil. Par ici! Par ici! Saleté volante! J'ai quelque chose pour vous! Maintenant, Dante, suivez-les! Suivez-les! Trouvez leur nid! C'est ça, montre le chemin. Sales petites ordures! Et voilà. Oh ! Toujours regarder avant de traverser. Saloperie volante! Tu veux jouer? Yeah.
merde. Pas vrai, ça. Reviens ici! Le nid. Ça doit être ça. Ça pour un vieux démon encroûté. Ah bah... ouais. C'est bon. Tu dois être l'œil. Une embuscade. Non. Bande de ça, salopards. Merde.
et une baston à tout casser. Et comment je reviens? Rapportez-moi mon œil. Et je vous conduirai à la tour. Non, 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 non. Mais non, attendez. Forme, il y en a combien? Par là, je suis allé. Ouais, il fallait que j'en choisisse une sur trois qui soit. Grâce à la lobotomisation, abandonnez-vous à votre seigneur Mundus. Oh là là, pas lui. Oui.
Over. Mais non, pas totalement. On reprend. Et on va se défendre un peu mieux. Lui d'abord. Qui est là? Devinez. L'œil. Vous l'avez? Dites-moi. M'a vu? Je l'ai retrouvé. On se connaît? Non. Mais je connaissais Sparda. Je vois votre père en vous. C'était un démon. J'ai rien à voir avec lui. Non. Bien sûr. Vous êtes un Néphilim. Ça aussi, je le vois. Et vous? Vous êtes qui? Phineas. Érudit, inventeur, prophète. Démon. Et jusqu'à votre arrivée, prisonnier et politique. Je vous remercie. C'était pas gratuit. Vous devez m'amener à la tour. Bien sûr, mon ami. Bien sûr. Par ici. Ok. Ah, j'ai allumé la clim, ça fait peut-être du bruit, je sais pas si vous l'entendez. Mais moi, ça me rafraîchit. Un score de M. Bon, bref, ça me fait quand même une amélioration. On va pas. C'est bizarre que je trouve pas dans les capacités de la vie. Rébellion. Bon, on prend ça. Comme ça, c'est fait. Là, je peux plus revenir en arrière. La suite de nos aventures, tout de suite. Jamais de Raptor News. Depuis combien de temps vous êtes aveugle et emprisonné ici? Depuis des siècles.
Vous savez où vous allez? Je connais le coin par cœur. Oh, oh, oh! Vous êtes cinglé? J'oubliais. Nous voyons les choses différemment. Des perspectives différentes ouvrent de nouvelles voies. Quoi? Comment ça? Vous ne voyez que le mal en moi, car je suis un démon. Mais ouvrez votre esprit. Au fond, c'est une question de perspective. Ah ouais, donc je vois que j'ai recommencé le chapitre. Je vois les choses différemment. Nous nous retrouverons plus loin. J'ai quelque chose à vous montrer. Allez, je veux voir ça. Libérez votre esprit grâce à la lobotomisation. Abandonnez-vous à votre seigneur Motus. Acceptez le statu quo. Trouvez votre fantasme. Ouais. Elle s'appelait Asiel, une Néphilim, tout comme vous. Je savais pas qu'il y en avait eu d'autres. Les Néphilim étaient la troisième race. Malheureusement, ils ont été exterminés. Pourquoi? Ils maniaient le pouvoir des anges et des démons. Mais les Néphilim pouvaient aussi passer librement d'un monde à l'autre. Ils étaient sans égal. Donc ils étaient une menace. Comme moi. Et comme vous, ils avaient un immense potentiel. Quel gâchis. Vous voulez réaliser tout votre potentiel? Asiel détient peut-être la clé. Peut-être. C'est pas sûr, hein. Juste... Asiel? Non, pas du tout. Non, c'est un putain de démon. Oh là là! Trop d'excuses, plus d'excuses. Regarde. Bon. Bon débat.
Mais... Ok. Asiel détient la clé. Raté. Réussi. Ça c'est... Hop. Et après... Comme ça. Je l'ai. Tu ne te souviens pas de moi. La dernière chaîne. Dante, tu es ici parce que je n'ai pas pu te protéger. Crois-moi, j'en suis vraiment désolée. Ton père est tombé amoureux de moi. C'était un amour qui transgressait des lois inflexibles et antiques. Nous avons choisi cette vie malgré l'annihilation certaine. Même si nous ne l'avons jamais regretté, nous ne t'avons jamais laissé le choix, mon cher fils. Mais, à présent, c'est à ton tour de choisir. Ta puissance sera exceptionnelle. Et cette puissance te permettra de forger ton propre destin. C'est ça, la liberté, mon fils. Sois fort, mon fils. Je t'aime tant. Ah, manifestation du véritable pouvoir de Dante lui accordant une puissance et une résilience accrue en faisant RL.
ta manière de comprendre les enjeux. La tour. Je suis parti. Voilà, c'est le mieux. Corps de toutou. Qu'est-ce qu'on peut acheter là? Quelqu'un qui m'invite, mais je peux pas tout de suite y aller. Bon, on prend ça déjà. Et on continue jusqu'au boss. Donc là maintenant. On va voir par là. Ah, pas bon, par là. Non, non. Alors, ah oui. Ah, le seul truc, je le shot. Bien. J'ai pas envie de tomber. Ah.
Oh là. Ouais, je suis arrivé. Oui, je crois bien. Donc, c'est pas vrai que je devrais. En plus, là, il y a des cocons. Hop. Ouais. Voilà. Et la vie. Oh, mais monte. C'est ce que je voulais. J'évacuais. Bah visiblement non. Bon, c'est pas fini. Tant pis pour le défi. C'est par là pour la suite des événements. Votre démon intérieur, mais il vous reste à découvrir tout votre potentiel. Je veux juste tuer un roi démon appelé Mundus. Et si vous tuez Mundus, qui prendra sa place ? Bonne question, en tout cas pas moi. Bon. On va aller quand même voir le gentil président de la chaîne de télé là qui me calomnie sans arrêt. Alors, amélioration d'objets. J'ai fait un petit bouton de trop. Voilà. C'est parti. Je ne recours plus à la violence. Pas possible d'avancer. Merci, Phineas. Ce n'était pas vraiment un service. Je veux la destruction des Mundus. Et je pense que vous avez une chance à présent. Vous avez changé d'avis ? Vous aviez raison. Vous ne tenez pas que de Sparta. Je vois aussi votre mère en vous. Vous voulez atteindre Mundus ? Voici comment. Le pouvoir de Mundus ne connaît pratiquement aucune limite. Mais il a un talon d'Achille, une faiblesse. Il a une faiblesse ? Oui. Sa maîtresse, Lilith. Sa faiblesse, c'est son amour pour elle. Mundus, lui, aimé. Non, mon cher. Toutefois, elle est devenue la chose la plus importante de la création à ses yeux. Voilà ce que j'ai vu. Lilith. Sa maîtresse porte un enfant, son héritier, pour atteindre Mundus. Tuez Lilith. Tuez l'enfant. Rien ne le fera plus souffrir. Mais attention, la colère de Mundus est démesurée. Elle pourrait faire des milliers de victimes. Bonne chance, mon ami.
D'accord. Si on doit se battre à l'envers, ça va être Space. J'ai enfin ton attention. On peut pas faire deux. D'accord. J'utilise ça une fois. Coucou. Attention, ça tourne. Moi, ce que je pense de ces terroristes, c'est qu'ils sont répugnants, dégradants, décadents, vils, mesquins et franchement écœurants. Le pire d'entre eux est Dante. Le monde entier se porterait bien mieux s'il n'avait jamais existé. Tu vas devoir rendre l'antenne. Tu crois ça? Tu t'avances un peu vite, petite merde. Thank you.
transition. Ces images écœurantes montrent le terroriste connu sous le nom de Dante sur le quai de Bellevue. Que savons-nous exactement de ce Dante? Plusieurs personnes se sont manifestées, permettant aux enquêteurs de reconstituer un parcours d'une violence inouïe. À l'âge de 8 ans, Dante tua l'infirmière en chef de l'orphelinat Saint-Lamia. Menteur. Cette femme était saluée par tous pour son extrême gentillesse et son dévouement envers les enfants. Entre 11 et 15 ans, il s'échappa de pas moins de 8 centres de détention pour mineurs, planifiant le plus souvent des attaques d'une rare brutalité sur les gardiens coupables seulement de faire leur travail. Entre 16 et 17 ans, il entre dans des gangs, fait du trafic de drogue et est considéré comme responsable de plus d'une douzaine de meurtres. Et comble de l'horreur, il était connu pour traîner dans les quartiers malfamés de la ville, répandant les maladies sexuellement transmissibles les plus innommables. Elle a donc tant que ça, Bob ? Tu te crois con ? Et si je te tuais et que je pissais sur ton corps, ça serait cool, ça ? Tu l'as dit, vos filles. Faut percutante, Bob. Maintenant, je crois que je suis en train de la vie. Il a tué des gens. À un moment, il m'a regardé droit dans les yeux. C'était terrifiant. Il avait vraiment des yeux de pédophile. J'ai vu une fille, quoi, qu'il suppliait de l'épargner. Mais il a répondu qu'il l'a retrouvé quand même. Et il l'a fait. Carrément, quoi. Depuis cet attentat, révoltant. Il est apparu que Dante faisait partie de l'organisation terroriste baptisée l'Ordre. J'ai un message pour l'Ordre. Le monde entier vous recherche. Chaque caméra, à chaque coin de rue,
chaque force de police de ce pays et du monde. Nous vous trouverons. Nous vous détruirons. Ce n'est qu'une question de temps. C'était Bob Barbas du Raptor News Network, au service du Seigneur. Ok. Nous interrompons cette émission pour un flash spécial. L'organisation terroriste responsable des récents attentats a été localisée et son repère est pris d'assaut par les équipes du SWAT en ce moment même. Mais quel salaud celui-là. La présence de deux des terroristes identifiés sur ces images a été confirmée. Salaud. Un troisième terroriste a été pris au piège suite à un raid de la police dans un autre quartier. Rassurez-vous, je vous garantis que les responsables devront bientôt répondre de leurs crimes. Mort ou vif. C'était Bob Barbas du Raptor News Network, au service du Seigneur. Vogel, vous êtes cernés, tous cernés. On va vous broyer, et en direct. Tout en direct. Tu te crois cool? Et si je te tuais et que je visais sur ton corps, ça serait cool ça. Wow. Fais bien tout ce que tu voudras. Tu as déjà perdu. Eh bien, voilà, les amis, on va s'arrêter ici quand même à peu près d'une heure et demie de jeu. Pour la partie 4, on se retrouve prochainement sur Twitch et YouTube. Je vous salue bien bas. C'était Cartman qui rend l'antenne à vous, les studios. Ciao, ciao!